Regardez ce ballon qui colle au pied de Ben Arfa, qu'est-ce que c'est beau! Il redonne à Atem Ben Arfa. La frappe! Goal! Allez, on s'installe, comme d'hab. Tout est ok, et on va tenter de rattraper la médiocrité. La médiocrité dont j'ai été victime à l'épisode précédent. Donc bonjour à tous, c'est Lies. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Road to Steven Gerrard Thoughts, épisode 4. Donc aujourd'hui on en est, vous l'avez vu à l'épisode précédent, on s'est fait jarter en division 2. Donc l'objectif sera de remonter en division 1, vous le voyez. Avec les récompenses des saisons, la relégation à 3700 crédits, le maintien à 7300, la montée à 18 points à 10400 et le championnat à 13000. Donc notre objectif sera de gagner les 13000 crédits pour avancer un maximum. Donc je ne vous représente pas la Bundesliga, donc on va faire les 3 premiers matchs avec cette équipe et après on va enchaîner avec Agüero, Tots, compagnie, Ben Arfa et compagnie. Voilà, allez, c'est parti pour ce premier match. Donc pour ce premier match, on peut voir qu'on va tomber contre une équipe qui a 86 de notes, collectif 100. Et waouh, une magnifique équipe avec 3 tots, une première ligue parfaitement parfaite, j'ai envie de dire. Ça se passe de commentaires en 4-3-2. Mkhitaryan, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Leighton Baines qui accélère, qui va pouvoir centrer, c'est pour la tête de Sergio Agüero. Gundogan qui n'a pas pu récupérer ce ballon. Et attention à Dante qui part ce ballon face à Kun Agüero qui tente de jouer avec Eden Hazard. Et c'est un penalty. Un penalty alors que je suis pas sûr qu'il y ait faute là. Je ne suis pas sûr qu'il y ait faute. Ma foi, c'est comme ça, c'est le jeu. Que voulez-vous? Avec Kun Agüero pour se charger du penalty. Kun Agüero qui marque et ça fait donc 2-0 et ça fait donc un doublé pour Sergio Agüero. Et je joue ça de la part de David Alaba qui accélère, qui peut accélérer maintenant. Ça Juan Mata, Alaba qui accélère, qui prend tout le monde de vitesse. Alaba qui continue, Alaba qui va pouvoir centrer maintenant. David Alaba, le centre pour la tête de Robert Lewandowski. C'est pas terminé, attention, David Alaba qui va tirer du pied gauche. C'est pas terminé encore, si. Oh, et c'est un penalty. Penalty, suite à ce cafouillage et à l'équipe adverse qui a paniqué, suite à cette frappe de la tête de Robert Lewandowski qui s'est écrasé sur la barre. Et Vincent Kompany qui prend un carton jaune. C'est dommage. Allez, Robert Lewandowski, Diego, pardon, qui va se charger du penalty. Diego pour la lucarne gauche et c'est au fond et c'est la réduction du score. C'est donc la fin de ce match sur ce score de 2-1 où on voit que je commence très mal ma division. Allez, c'est parti sans plus attendre pour ce deuxième match. Comme on peut voir cette fois-ci, pour ce deuxième match, une équipe avec une note de 84, une équipe en 4-1-4-1, une équipe de Bundesliga avec Neuer, Hummel, Sokratis, Lahm, Schmelzer, Reus, Götze, Luis Gustavo, Gundogan, Farfan et il me semble... Traoré, je ne sais pas. Marco Reus qui part. Reus qui réussit à passer. Reus qui va pouvoir centrer pour la tête de Mkhitaryan. Et c'est la lucarne. Et ça fait 1-0 sur un magnifique centre. Et Marco contre-attaque maintenant. La contre-attaque avec Mamé Diouf. Voilà, c'est le nom dont je cherchais tout à l'heure. Diouf avec Farfan. Attention à l'appel de balle maintenant. Jefferson Farfan qui a servi Mario Götze, attention à la tête derrière et c'est l'égalisation de Mamé Diouf, Chikowski, Gundogan qui trouve magnifiquement Robert Lewandowski qui fait un appel de balle parfait, Robert Lewandowski qui frappe et c'est le but qui prend l'avantage pour mon équipe et qui donne le but du 2-1 pour Robert Lewandowski. Mkhitaryan qui glisse là-bas. Chikowski maintenant.
Blachikovski qui va centrer au deuxième poteau pour Marco Reus. Et alors là, ce but, il est exceptionnel. Hein, parce que Reus était libre de tout marquage. Il s'est démarqué. Et le centre exceptionnel de Blachikovski. On va voir tout ça ralenti. Regardez, Blachikovski qui va centrer là-bas au deuxième poteau. Et qui c'est qui est là? C'est Marco Reus pour une tête plongeante. On revoit ça. Regardez, au ralenti, c'est magnifique. Il trempe Magnelle. C'est terminé sur ce score. 2-3 buts à 1 avec un but de Lewandowski importantissime pour reprendre l'avantage et reprendre la maîtrise. C'est parti pour ce troisième match avec, je le rappelle, une victoire et une défaite à mon actif. Donc ici, on tombe contre une équipe, déjà Napoli City. On a du Portugal, on a de l'Italie, on a de la Serie A. On a une hybride, donc. Guarin. C'est reparti là-bas, Lewandowski, qui demande ce ballon et il est servi dans les meilleures conditions. Lewandowski qui doit marquer, Lewandowski qui frappe et Lewandowski qui la met au fond et qui trompe Federico Marchetti. Ça fait donc 1-0. Attention là-bas. Varela qui réussit. Attention au centre de Guarin et la récupère et la reprise de volée. Et c'est donc l'égalisation de Victor Ibarbo pour son équipe. Ça fait donc un but partout. Reus qui repart, qui se joue de Cuadrado. Encore Reus qui tente de passer Chiellini. Et ça joue là-bas avec la tête de Mkhitaryan. Et Mkhitaryan qui redonne l'avantage à notre équipe. Et ça fait donc 2-1. Magnifique. On voit tout ça au ralenti, le centre de Blachikovski pour la tête de Mkhitaryan qui s'impose face à Abate et c'est parfait. Reus qui a tenté de faire un crochet difficile, malheureusement ça n'a pas fonctionné. Attention à Victor Ibarbo. Victor Ibarbo qui se bat et Victor Ibarbo qui va réussir et qui va égaliser. Malheureusement, d'avoir cette deuxième victoire là-bas. Aïe, Reus qui va à nouveau centrer pour la tête de Dante. La tête de Dante qui s'écrase sur la barre. Et Hummels qui donne l'avantage à mon équipe. Et ça fait donc 3-2 dans le meilleur moment du match à la 90e minute. Attention, attention à la réaction de mon adversaire maintenant. Il va falloir faire très attention. Tandis qu'on revoit ce but au ralenti magnifiquement centré de la part de Reus. Dante qui la reprend magnifiquement, qui s'écrase sur la barre. Et Hummels qui réussit à s'imposer devant tout le monde pour marquer le but. Il vous redonne l'avantage. Et c'était un match palpitant. Mais j'ai réussi à pas tomber dans le piège de l'équipe de Victor Ibarbo. C'est parti pour ce match, pour ce quatrième match. Je le rappelle, 2 victoires et 1 défaite à mon actif. On va tenter de battre cette première ligue avec des intrus, des Espagnols, à savoir Christian Tello, Jordi Alba, Pepe, Sergio Ramos. Ouais, voilà, c'est une ligne de 4 défensifs de Liga. Et on a taxé de la corner maintenant. Avec peut-être, pourquoi pas, la tête de Vincent Kompany. Non, la tête de personne. Rooney, qui va pouvoir tirer. Ben Arfa qui tire et c'est l'ouverture du score avec ce but de raccro de Hatem Ben Arfa. Wayne Rooney qui a raté sa frappe. On va revoir tout ça ralenti. Regardez. Wayne Rooney qui tire du gauche. Ah ouais, c'est une frappe volontaire de la part de Rooney. Andrés Fernand qui n'a pas pu la bloquer et Ben Arfa qui réussit à tirer pendant que Andrés Fernand était à terre. Trouve à l'école. Et c'est magnifiquement fait ça. La part d'Oussama Saïdi. Attention là-bas avec Sergio Ramos. H. l'école qui a tenté de centrer. C'est donc un penalty. Et une faute subie par H. l'école. Par Xabi Alonso apparemment. Qui fait la faute. On va revoir ça. C'est ça, c'est Xabi Alonso qui fait faute et qui fait tomber H. l'école dans la surface. Ben Arfa pour se charger de ce penalty. Hatem Ben Arfa qui a tenté de mettre ce penalty au fond. Ben Arfa qui va la loger à la lucarne gauche. Et ça rentre malgré la déviation du gardien. Une petite frayeur de ma part, mais ça rentre. On va revoir ça au ralenti. Regardez, Ben Arfa qui tire, mais la balle est déviée par le gardien. Asaïdi qui se joue de tout le monde. Oussama Saïdi, malheureusement, oui, ça fonctionne. Il a réussi à faire un geste de grande classe. Il réussit à en faire un deuxième. Va-t-il en faire un troisième? Oui. Un quatrième? Non.
Un quatrième, oui. Un cinquième. Et la glisse là-bas. Oh, le magnifique but. Le magnifique but. Ben, c'est tout pour un Saïdi. Hein. Et il fait une offrande à Steven Gerrard. Bon, on n'aura pas toute l'action ralentie. Mais une chose est sûre. Saïdi a fait quelque chose de grand. La fin du coup du foulard. Le drag back. Il revient et il la donne à Steven Gerrard magnifiquement. Pépé qui avait taclé. Et Andrés Fernand qui est battu. Mais plus pour longtemps. Eh bien joué de ça de la part de Rooney. Qui a fait trouver Agüero là-bas. Steven Gerrard qui va enrouler. Et c'est le but du 4-0. Splendide. Magnifique. C'est terminé sur ce score de 5-2 avec une belle entrée en matière pour ma première ligue. Vous avez vu la réduction du score de Christian Tello et Sergio Ramos. Et un but à la fin de Vincent Kompany. Donc nous sommes à 9 points après 3 victoires et une défaite. Il reste 6 matchs. Et on va tenter de se sauver le plus rapidement possible. Et pourquoi pas jouer le titre pour la fin de cette division 2. Avec une magnifique Bundesliga par la même occasion. Marco Reus. Nemanja Vidic qui va tenter de rattraper. Götze. Götze tout en dribble qui va tenter de marquer. Attention, et c'est le premier but de Mario Götze. Avec ce poteau rentrant, Sech est battu. Et ça fait donc 1-0 pour son équipe. Et peut-être pour Vidic. Vidic qui réussit à égaliser. Vidic qui réussit à égaliser. Magnifique passe de Steven Gerrard. En tout cas, Vidic qui me sauve tout à l'heure. Comme tout à l'heure, grâce à Hummels, vous en souvenez, voilà, j'arrive plus à parler. Mais en tout cas, c'est un but qui vaut de l'or. On va revoir ça en ralenti. Regardez, Steven Gerrard pour la tête de Vidic. Et c'est la fin de ce match sur ce score de 1 but partout avec une égalisation méritée pour ma part en vue de tous les efforts offensifs que j'ai fait dans ce match. Donc nous sommes à 5 matchs du terme de cette division 2. On peut voir que j'ai fait 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Nous sommes à 10 points, 2 points du maintien. Il me semble qu'il faut 18 points pour la montée et 21 pour le titre. Dribblé à thème Ben Arfa. Ben Arfa qui revient, qui donne de l'espace à Wayne Rooney. Agüero qui n'est plus en position d'hors-jeu. Il va recentrer pour Wayne Rooney. La frappe de Rooney et c'est le premier but du match. En tout cas, magnifique entrée en matière dans ce match. Et c'est fabuleux. Et c'est le but du 1-0 qui fait du bien. Regardez. Agüero qui est revenu, il a recentré sur Wayne Rooney et Rooney qui réussit à marquer. Oh, Ben Arfa qui joue avec le feu là, atteint Ben Arfa. Et attention là-bas, attention. Oh, le but, l'égalisation de Bettner il me semble. Et voilà, le joueur le moins probable pour égaliser et c'est lui qui égalise. Wayne Rooney qui cherche une solution. Il a trouvé avec Lucas Podolski. Lucas Podolski qui tire. Lucas Podolski qui donne l'avantage à son équipe. Ça fait donc 2-1. Agüero qui peut lancer Steven Gerrard maintenant. Agüero qui est parti. Agüero qui va tenter de faire la différence. C'est le Kun Agüero. La frappe d'Agüero. Et c'est l'égalisation. L'égalisation magnifique de Sergio Kun Agüero. Donc c'est parti pour ce nouveau match avec, vous le voyez, on est à 11 points maintenant avec 4 tots ici sur cette équipe de première ligue. Donc là, pour information, j'ai repris la Bundesliga pour faire reposer ma BPL. On va voir si je vais la garder un match ou deux. Et après, je reviens directement avec la Barclays Première Ligue. Lewandowski. Il a glissé à Henrik Mkhitaryan. Mkhitaryan qui va croiser la frappe de Mkhitaryan. Et ça fait 1-0. Magnifique but d'Henrik Mkhitaryan. On va voir ça au ralenti. Lewandowski qui la glisse juste à droite à Mkhitaryan. Et c'est le coup du pied. Bien joué ça de la part de Gundogan. Qui la glisse là-bas. Et c'est attention à Blachikowski qui est parti. Blachikowski qui va tirer fort, croiser sa frappe. Et c'est le but du 2-0. Magnifique but de Blachikowski qui n'a laissé aucune chance à Sech. Et ça fait donc 2-0. Et Diego qui va se charger du penalty. Allez, Diego qui va la tenter à droite et ça rentre. C'est une grosse frappe sous la barre et ça fait donc 3-0. On se concentre un peu. Lewandowski, le quatrième but de Robert Lewandowski, fantastique. Magnifique but de Robert Lewandowski qui a
Le sens du but, c'est magnifique. Donc c'est la fin de ce match sur ce score de 4-1 où la Bundesliga a bien fait mon affaire là-dessus. Donc faisons un petit récapitulatif. Il reste 3 matchs. On est sur une série de victoires, c'est déjà bien. 4 victoires, 2 nuls, 1 défaite, c'est déjà bien. Il nous reste 3 matchs. L'objectif sera de gagner les 3 matchs. Donc attendez, 14 plus 6, ça fait 20. Donc il faut gagner 2 matchs. C'est ça, donc il faut gagner 2 matchs et 1 match nul ou les 3 victoires d'affilée. Allez, c'est parti. Donc on ne change pas une équipe qui gagne, ça sera toujours la Bundesliga qui sera au rendez-vous face à cette équipe. On voit qu'il y a une spécificité, c'est que des milieux latéraux vont jouer défenseurs latéraux. Donc on voit Asamoah à gauche, Lichtsteiner à droite. Pour le reste, c'est une Serie A, mis à part un intruqué, Thiago Silva. Allez, c'est parti avec Reus. Reus qui va la donner là-bas. Ah, Robert Lewandowski qui marque un but. Fantastique, un but. On marque une talonnade, normal. On va revoir tout ça. Ça, c'est des buts que j'aime marquer. Regardez. Reus qui va la centrer là-bas rapidement. Et Lewandowski qui d'une talonnade. Normal. Qui talonne, regardez. Dévié par Andrea Pirlo. Mais voilà. Pour la beauté du geste, le but doit, se doit d'être valable. Hummels qui, attention, fait une erreur. Le poteau s'écrase sur le poteau et ça joue avec Lewandowski. Attention, c'est pas terminé. Asamoah avec Andrea Pirlo. Ça revient vers Reus. Mkhitaryan. Oh, attention, le râteau de Lewandowski, ça n'a pas fonctionné. Pas terminé avec Claudio Marquisio. Vers El Shaarawy qui va centrer du gauche la tête de Llorente. Et ça fait donc un but partout et l'égalisation de Fernando Llorente. Marco Reus qui a vu Henrik Mkhitaryan partir. Mkhitaryan qui va centrer là-bas vers Robert Lewandowski et qui s'impose dans les airs et qui marque son doublé. Robert Lewandowski qui est parti. Il mettra en difficulté Chiellini. Voilà, il s'impose pour peut-être centrer pour Lewandowski. Voilà, la tête de Lewandowski qui prend contre-pied Gianluigi Buffon. Et ça fait donc 3-1. C'est terminé sur ce score de 3-2 où Robert Lewandowski répond encore présent pour la Bundesliga. Donc c'est simple maintenant. Pour obtenir le titre, il faut 2 victoires d'affilée. Donc on tombe contre une première ligue en 3-5-2 avec Compagnie, Hart, Richards, David Luiz, Essien, Javi Garcia, Miralas, Ashley Young, Ramsey, Tots, Sturridge, Jovic. Blachikowski maintenant. Blachikowski peut envoyer Henrik Mkhitaryan. Mkhitaryan pour la tête de Robert Lewandowski. Et ça fait donc 1-0. Et l'inamovible Robert Lewandowski. Attention. Ah oui, cette fois c'est fait. À la belle envolée au tableau d'affichage. Les joueurs savent qu'ils ont quasiment les deux pieds dans la division supérieure maintenant. On va bien évidemment revoir ce but ralenti pour mieux comprendre l'action. Excellent timing sur ce corner. Thiago qui a tenté de réussir à passer tout le monde. Thiago qui revient vers Lewandowski. Lewandowski qui peut frapper. Malheureusement, la frappe est repoussée. Allez, un corner peut-être pour Hummels. Hummels la tête et c'est le but de Mats Hummels sur un magnifique corner de Marco Reus. Donc c'est la fin de ce match avec encore une fois Robert Lewandowski au rendez-vous et Mats Hummels qui a mis un corner, qui a mis une tête sur un corner. Un point, plus qu'un point pour avoir le titre et avoir ce bonus de 13 000 crédits. Un, c'est le nombre de matchs qu'il me reste pour avoir le titre. Donc c'est qui tout double, défaite, pas de titre mais montée. Victoire, titre et montée. Donc, faut gagner face à cette Barclays Premier League. Et attention à la passe écrasée. Il n'y a que des passes écrasées qui se passent en ce moment. Le lag est avec notre adversaire. Bien joué ça de la part de Kyle Walker. Attention à Chourleux qui va centrer là-bas. Et c'est le but. Le but qui va me priver du titre. Donc c'est la fin de ce match, on peut voir que j'ai perdu 1-0 et je rate le titre de 1 point de justesse. Donc le bilan est de 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites.
Et donc j'ai un bonus de 10 400 crédits, vous le voyez. Plus les crédits match qui doivent tourner autour de 5 000 comme d'hab. On va tout de suite voir ça. Voilà, on le voit que j'arrive à 157 000 crédits. Et on va tout de suite voir le prix de Steven Gerrard à l'heure actuelle. Voilà. Et on va voir à peu près à combien tourne la carte bleue en ce moment. Alors là, on a du 240 000, 210 000 qu'on peut mettre en offre actuelle. Ok, 280 000, 210 000, 199 000 pour une carte là. 221 000, pardon. 247 000, 400 000. Voilà, ça varie pour Steven Gerrard. 216 000, 200 000. Alors, le minimum que j'ai pu voir, moi, en prix d'achat immédiat, c'est 204 000. Donc voilà, nous sommes à peu près à 40 000 crédits de l'objectif. On va dire ça comme ça. 50 000 à tout casser. Où on peut avoir Steven Gerrard. Vous le voyez, 207 000. Donc voilà, c'est à peu près ça. 50 000 crédits par rapport au prix d'achat immédiat minimum. 201 000, voilà. Voilà, ça a été expiré. Voilà. L'enchère vient de partir sous nos yeux. Donc voilà, je vais m'arrêter là. C'était tout pour ce quatrième épisode. Et cette division 2, bon, on ne va pas cracher sur la montée. Et on va essayer de faire une meilleure prestation que l'épisode précédent en ce qui concerne la division 1. Pour ma part, c'était Elias. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu. Si vous aimez cette série, faites-moi part en commentaire et dites-moi s'il y a des trucs qui vous plaisent pas ou s'il y a des trucs qui vous plaisent. Faites-moi part. Je suis là à votre écoute. Et si vous aimez cette série, ben je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je sais pas si je l'ai déjà dit encore, je suis fatigué. Allez, on se retrouve pour le prochain épisode de Road to Steven Gerrard Thoughts. Ciao, ciao.